Salut, c'est Philman. Il est 22h, RFM se transforme en Radio Belle Œuvre. Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Salut les rockeuses, salut bande de rockeurs et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Radio Manœuvre. Ce soir, 25 janvier 2024, nous avons comme d'habitude une émission en deux parties. Il va y avoir une première heure avec toute l'actualité du nouveau rock ou de la réédition. Côté nouveauté, nous aurons du Green Day, Joe Bonamassa et le nouveau Saxon. Nous évoquerons bien sûr la disparition de la grande Mary Vest, chanteuse des Shangri-Las. Et on parlera de plein d'autres choses qui sont arrivées dans le rock depuis une semaine. En deuxième heure, nous aurons la visite de Eric Krasker, un journaliste qui publie un livre sur ce mois de janvier 1964, époque bénie où les Beatles donnaient chaque soir un concert à l'Olympia de Paris. Pour démarrer cette émission, je vous propose un groupe à quatre chanteurs, Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison et Jeff Lynne. Voici les Traveling Wilburys, She's My Baby, ça c'est du rock. Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était les Traveling Wilburys, une petite merveille, She's My Baby. Comme je vous le disais en début d'émission, ce week-end, on a appris la disparition de Mary Vest, la chanteuse lead des Shangri-Las, le fameux groupe de doo-wop de New York City. Les Shangri-Las étaient quatre au début, deux fois deux sœurs. Et puis elles ne furent plus que trois.
avec leurs gilets de cuir noir et leurs chignons bouffants. Les Shangri-Las avaient la classe. Leurs chansons traficotaient dans le post-mur du son de Phil Spector. Elles étaient aidées par le grand producteur Shadow Burton. Et en plus, elles racontaient de petites tragédies adolescentes. N'hésitons pas, il était question de bandes de filles, de bagarres, de motards vêtus de cuir noir. Il était question de marcher dans le sable en pleurant un amour perdu. Les Shangri-Las, c'était pourtant pas de la guimauve. Marie Vess nous quitte, elle avait 75 ans. On écoute les Shangri-Las de 1965 dans Radio Manœuvre. Remember, walking in the sand. Remember, I love you. I know you love me too. I wish you didn't have to go now. Write to me. Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. C'était les Shangri-Las et c'était tellement bien qu'on risque d'y revenir dans cette première heure de Radio Manœuvre. Passons maintenant au cas Steve Hunter. Steve Hunter est un guitariste de Detroit qui a joué avec les grands du rock et du hard rock. Il a été le guitariste de Lou Reed à l'époque Berlin Rock'n'Roll Animal. Puis il a fait partie du groupe d'Alice Cooper. Ces jours-ci, Steve Hunter vit en Espagne au soleil. Je le suis sur Instagram et je constate que ça l'a pas empêché de nous enregistrer une formidable version d'un énorme standard blues, The Backdoor Man, que les Doors avaient déjà repris en 67. Ça vient de sortir, c'est grand, c'est beau, c'est tout neuf. C'est le retour de Steve Hunter dans Radio Manœuvre et ça ne nous déplaît pas. Sleep. I'm somewhere making my midnight creep. And every morning when a rooster crows, he's telling me it's time to go.
Shot full of holes. A nurse, she cried, save his soul. I was accused of murder in the first degree. The judge's wife cried, let the man go free. I am, yeah. Ground. Steve Hunter, Backdoor Man, quelle version formidable! Bravo Steve Hunter, vous êtes un rocker! Il serait temps maintenant donc de revenir au vrai truc, le blues. Et pour ça, une seule adresse, Monsieur Howlin' Wolf, le loup hurlant. Et dans le titre qu'on va écouter, le loup n'est pas spécialement content. On l'écoute, ça s'intitule I Smell a Rat. I smell a rat, baby. Something funny. Start
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Howlin' Wolf, I Smell a Rat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 2 ans d'émission, on a rarement passé 2 fois le même morceau. Radio Manœuvre, pourtant, n'a jamais passé le groupe Yes. Et si on écoutait Yes dans leur incarnation la plus étrange, la plus pop, lorsque, au mi-temps des années 80, le groupe anglais, connu pour sa musique progressive et ses longs titres incantatoires de plus de 20 minutes, soudain s'est décidé à franchir le pas et à publier un titre unique dans sa carrière, le morceau Honor of a Lonely Heart. Yes s'était formé en 1968, ils ont donc attendu 1983 pour obtenir leur seul et unique numéro 1 mondial. Ceux qui lisent les notes de pochette le remarqueront, ce titre était produit par Trevor Horn, lui-même partie intégrante du groupe The Buggles et producteur de Frankie Goes to Hollywood. Écoutons Yes et leur unique numéro 1. Minuit,
Vous écoutez Radio Manœuvre. C'était Yes, Owner of a Lonely Heart. On revient toujours à ses premières amours. Prenez par exemple la chanteuse Gwen Stefani. Cette exceptionnelle chanteuse a été révélée par le groupe No Doubt, tout là-bas en 1995. No Doubt cartonnait grave. Et puis, Gwen est partie pour faire une carrière solo. Et No Doubt fut considéré comme terminé. Oui, mais voilà, en vertu de l'adage « on revient toujours à ses premières amours », Gwen Stefani a décidé de reformer No Doubt avec Tony Kanal à la basse, Tom Dumont à la guitare et Adrian Young à la batterie. Le premier concert de No Doubt reformé, ce sera en haut de l'affiche du festival de Coachella en avril prochain. Mais il se pourrait que le groupe annonce une tournée dans la foulée. Allez, je vous propose d'écouter No Doubt, qu'est-ce que c'était bien quand même. Vous écoutez Radio Manœuvre. C'était No Doubt, It's My Life. Y a-t-il des morceaux maudits? Certains le pensent, ainsi moi qui vous parle. Depuis la rentrée de janvier, j'essaye à chaque émission de vous passer un morceau remarquable de Joe Bonamassa qui a fait une reprise de Traffic chantée avec Dave Mason, le compositeur du groupe légendaire. Ce titre, Cher Monsieur Fantasy, fut écrit à propos de Jimi Hendrix en 1967.
beaucoup de gens ont repris le morceau. Grateful Dead, Eric Clapton, Crosby, Stills, Nash. Voici la version nouvelle de Joe Bonamassa. Et juste après, enchaîné, on écoutera le Spencer Davis Group Somebody Help Me. Mais tout de suite, Mister Fantasy. Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Somebody help me, yeah. Somebody help me now. Won't somebody tell me what I've done wrong? When I was just a little boy of 17, I hated a girl, she was my queen. Make me feel
les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était le Spencer Davis Group, Somebody Help Me, avec Stevie Winwood au chant, c'était magnifique. Et juste avant, c'était Joe Bonamassa, Dear Mr. Fantasy. Green Day est donc de retour avec un album qui caracole un peu partout dans les charts planétaires. Au début, anecdote, Green Day ne s'appelait pas Green Day, il s'appelait Sweet Children en 1989. Mais les Sweet Children faisaient une consommation extravagante de marijuana. Et selon Billy Joe, le groupe fumait carrément un arbre par jour. Et du coup, ils ont à l'époque changé leur nom de Sweet Children en Green Day Journée Verte. Aujourd'hui, les Green Day ont tous les trois 51 ans. Ça leur fait 153 ans de conneries à eux tous. On va écouter un extrait de Saviors, leur tout nouvel album. Voici le morceau Dilemma. Welcome to my problems. It's not an invitation. This is my dilemma. And it's my C'était Green Day, Dilemma. On parlait de la disparition de la chanteuse lead des Shangri-Las, Mary Vess. Les Shangri-Las, un groupe légendaire, souvent cité par Daniel Dark, notoirement, mais repris également par Aerosmith ou les New York Dolls. Je vous propose d'écouter la version électrique d'une chanson des Shangri-Las, reprise par Johnny Thunders. Voici Great Big Kiss, une version un peu punk qui ne devrait pas vous déplaire. When I say I'm in love, you best believe I'm in love with L.U.B.
give her a great big kiss. Wow! Tell her that I love her. Tell her that I care. Tell her that I'll always be there. God, I'll always be there. God, I'll always be there. God, I'll always be there. Hey, Johnny, what color are her eyes? I don't know. She's always wearing shades. Is she tall? Well, I gotta look up. Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. C'était Johnny Thunders, Great Big Kiss. Vous avez vu, l'électricité va augmenter. Merci Bercy. Toutes ces avanies ne devraient pas vous empêcher pourtant d'écouter le nouveau Saxon. Saxon, c'est un chanteur blond et emblématique qui s'appelle Biff Bifford. Saxon, c'est 24 albums lourds comme des enclumes. Saxon, c'est un groupe de pionniers du mouvement New Wave of British Heavy Metal. Saxon reprend la route en 2024. Ils seront le 5 avril à Lyon, à la Halle Tony Garnier, et le 8 avril au Zénith à Paris. Et on les annonce à la Hellfest au mois de juin, le soir où il y aura Metallica. Alors on va écouter Saxon, un titre génial, extrait de leur nouvel album. Ça s'appelle « There is something in Roswell ».
C'était Saxon, un extrait du nouvel album intitulé Hellfire and Damnation. Un extrait qui nous parlait de Roswell, sans doute les Saxons, pendant le Covid, ont-ils trop regardé Alien Theory à la télévision et maintenant voilà qu'ils pensent que les extraterrestres se sont posés à Roswell dans les années 50. Vous le savez peut-être, le rock a considérablement élargi ses bases depuis les années 80 et de nos jours, les rockers aiment bien écouter les chanteurs country. À ce sujet, je voudrais vous présenter le dénommé David Alan Coe. Le bonhomme a aujourd'hui 84 ans et il a écrit quelque chose comme 280 chansons depuis ses débuts. David Alan Coe, c'est un dur de dur. Il a passé son adolescence en prison. Il a été libéré pour bonne conduite. Il est parti directement à Nashville où il allait faire partie du fameux mouvement des Outlaws avec Willie Nelson et Kris Kristofferson. Au fil des ans, David Alan Coe s'est construit un personnage de tatoué, dur de dur, cheveux très longs et texte de chanson qui défie le bon goût général. Il a écrit la chanson « Prends ton boulot et fourle-toi où je pense » qui a été nommée pour un Grammy en 1978. David Alan Coe a toujours écrit de la country avec plein de guitares électriques dedans, ce qui fait que les rockers l'adorent. Il était pote avec Dimebag Darrell de Pantera. Je vous propose d'écouter un titre de 1986, Le Fils du Sud, Son of the South, dans lequel David Alan Coe nous parle de ses copains de Lynyrd Skynyrd, des ZZ Top et des crêtes ne rien avoir à faire de la disco New Wave. Message passé, on écoute ce titre fondateur. I like to play Hank Williams Jr. records just as loud as they will go. I'm into Lynyrd Skynyrd, the Allman Brothers and David Alan Coe. I like Willie Waylon, George and Merle and a lot of ZZ Top. They play country soul with some rock and roll and I hope they never stop, 'cause I'm a redneck rock and roll son of the South. I don't like no new wave disco bands around. I'm gonna drink a couple dozen beers and go out and jam some gears, 'cause I'm a long-haired redneck rock and roll son of the South. I got a 1965 Harley Chopper. It sure makes those women stare. I got a dead flamingo wrapped around this cowboy hat I wear. But I can cuss, fight, spit, belt, and raise all kinds of hell. If you ride to live like I live to ride, let me hear that rebel yell. 'Cause I'm a redneck rock and roll son of the South. I don't like no new wave disco bands. I'm a long-haired redneck rock and roll son of the South. We'll be right back.
Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. David Allan Co, le fils du Sud, Son of the South. Je vous propose d'écouter Bob Dylan, Tout est cassé, tout est brisé. C'était l'album Oh Merci, produit par David Lanoy. Moi, c'est une de mes 10 chansons préférées de Bob Dylan. On l'écoute. Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. C'était Bob Dylan, Everything is Broken. Au début de cette émission, je vous le disais, on pleure la disparition de la chanteuse Mary Weiss des Shangri-Las. Elle vient de partir pour le paradis des chanteurs pop à 75 ans. Les Shangri-Las avaient des hits, des tubes, des morceaux qui passaient à la radio. Nous allons écouter l'un des plus connus. Il était paru il y a 60 ans exactement, en 1964. C'est un titre colossal qui a été repris par les plus grands artistes, que ce soit Frank Alamo, les Damned, les Downliner Sect, Bette Midler, Twisted Sister ou même Belle et Sébastien, sans parler des parodies. Allez, voilà une chanson très inspirante dans Radio Manœuvre. Et si vous avez envie de fonder un groupe après écoute, surtout ne vous gênez pas. Voici les Shangri-Las, Leader of the Pack. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?
smile and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. Whether he heard, I'll never know. Radio Manœuvre sur RFM. Quelques modules publicitaires et on se retrouve juste après pour notre deuxième heure consacrée à un jeune groupe qui débute, les Beatles.